Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Intanto Impuli. Il y a à mes côtés ce soir Dominique Moret et nous recevons aujourd'hui Laurent Marcangeli. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation malgré un emploi du temps très chargé. Vous êtes donc entre autres député de la première circonscription de Corse du Sud et président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs en cette qualité que vous avez été reçu hier par la première ministre Elisabeth Borne au même titre que les autres présidents de groupes parlementaires. Alors vous avez été consulté par la première ministre sur les réformes à venir, sur le calendrier parlementaire. Qu'est-ce que vous êtes dit, notamment au sujet de la réforme des retraites ? Ce que la Première ministre nous a dit, c'est qu'elle attendait notre avis sur la question. Ils sont publics, ils sont connus, et elle nous a aussi dit que les arbitrages n'étaient pas rendus et que dans quelques jours, on sera en capacité de savoir si ce texte sera dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Vous êtes favorable ? Moi, j'ai dit que dans le cadre peu importe, d'un amendement, peu importe la porte d'entrée, il faut réformer le système des retraites. Et notre groupe a pris une position à Fontainebleau, par la voix d'Édouard Philippe et par moi-même. Nous serons derrière cette initiative si elle est prise. Alors, les contours sont un peu flous, mais on parle d'une pension minimum à 1 100 euros, d'un âge de départ à 65 ans. C'est ce que vous souhaitez, vous aussi. Les Républicains sont un petit peu sur cette position, mais ils pourraient ne pas vous rejoindre si demain vous faisiez un amendement à la loi de finances. Moi, je ne veux pas aujourd'hui dire, parce que les arbitrages ne sont pas rendus, et je peux vous dire de source sûre que la rédaction de l'amendement ne l'est pas non plus. Rien n'est arrêté, y compris l'âge de départ, y compris le dispositif global. Il fut un temps, Édouard Philippe, votre ami, évoquait 67 ans. Il est plutôt sur 65 aujourd'hui ? Il a évoqué 65, 66 ou 67 parce qu'il s'avère que c'est la moyenne de l'Union européenne. À part la France, ceux qui partent le plus tôt, c'est 65 et les autres partent à 67. Alors ça va être compliqué. Là, on sait que précédemment, il y a eu quand même des manifestations importantes avec les Gilets jaunes. Pourtant, Emmanuel Macron avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a une majorité relative. Sa légitimité s'est un petit peu érodée. Vous ne craignez pas de réveiller un petit peu la rue avec des réformes comme ça ? Écoutez, d'abord, c'est au gouvernement de prendre des décisions. Moi, je suis un parlementaire de la majorité. J'ai dit ce que nous ferons en tant que groupe à l'Assemblée nationale si le gouvernement décide dès cet automne de parler de cela. Mais il peut le faire également dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. J'ai été sur ce plateau dans les élections législatives très clair. J'ai dit que j'étais favorable à une réforme du système de retraite et nous serons fidèles à ce que nous avons dit pendant la campagne électorale. Ouais, le Modem, qui est votre allié dans la majorité présidentielle, aujourd'hui n'est pas favorable à ce que ça passe rapidement dans le cadre du projet de loi de finances de sécurité sociale. Il n'y a pas que le Modem, il y a la présidente de l'Assemblée nationale. Vous savez, une majorité, ça vit, ça donne son avis. Et ensuite, c'est à l'exécutif de décider en fonction des avis qu'il recueille. Alors cette majorité, justement, elle est... on va dire pluriel, hein. En tout cas elle est relative. Quel est votre rôle là-dedans ? Est-ce que c'est facile comme ça d'arriver à coordonner des points de vue qui peuvent être très divergents, ou avec des postures politiciennes parfois ? Dans la vie politique, rien n'est facile. Justement, ce que nous essayons de faire, c'est de nous éloigner des postures politiciennes. On essaye de ne pas être dans la petite phrase, on essaye de construire une stratégie, je parle d'Horizon, du parti et sa déclinaison à l'Assemblée nationale. On ne va pas être là pour faire de la polémique pour la polémique. On va essayer d'amender la loi lorsqu'on pourra, avec des sujets de fond, avec une stratégie pour le pays, pour les territoires de ce pays. Et puis ensuite, on va essayer aussi, on dit très clairement, de faire vivre un parti politique, de l'étendre. Réformer coûte que coûte, même en actionnant le 49-3, un passage en force, vous y êtes favorable ? C'est pas un passage en force. Moi, je pense que c'est tout simplement un moyen qui est à disposition de l'exécutif, que d'autres exécutifs ont mis en œuvre, parfois de manière assez répétitive, notamment sous Michel Rocard. C'est un moyen qui est donné au gouvernement pour mettre les parlementaires devant leurs responsabilités. Vous parliez tout à l'heure de LR. Ils ont fait des propositions très proches de celles du président de la République. Mais on verra ce qu'ils feront. On verra ce qu'ils feront. Et à un moment... il faut assumer ses responsabilités parce qu'on va devant les électeurs, on dit des choses pendant les campagnes électorales et chacun... Mais c'est considéré quand même comme un levier qui n'est pas démocratique. Il est démocratique par essence puisqu'il est dans la Constitution. S'il ne l'était pas... Les mentalités ont évolué. Les mentalités qui ont présidé à la création de la Ve République et aujourd'hui comment on souhaite voir pratiquer la démocratie, ça a beaucoup changé quand même. Il y a l'idée d'une horizontalité quand même. Vu ce que pensent les Français, vu la manière dont ils votent, je crois qu'ils veulent un pouvoir exécutif fort. Mon petit doigt me dit que ils sont pas trop pour le charabia législatif et
je dirais, le tumulte qu'on a pu assister, auquel on a pu assister pendant l'été, notamment du côté de l'extrême gauche de l'hémicycle. Moi, c'est mon point de vue. En tout cas, ce que les gens me disent, c'est ça. Alors, la semaine dernière, vous l'avez évoqué hein, tout à l'heure, vous organisiez les journées parlementaires du groupe Horizon à Fontainebleau pour définir la stratégie du parti sur le court, le moyen et le long terme. On suppose que l'ambition sur le long terme, c'est de porter Édouard Philippe à la présidence de la République ? Écoutez, j'ai un ami, Arnaud Robinet, maire de Reims, qui a effectivement dit les choses de manière très claire. Moi, je dis ce que j'ai déjà dit à certains de vos confrères. Nous sommes en 2022, nous sommes sortis de quelques marathons électoraux au printemps dernier et aux portes de l'été avec les élections législatives. Chaque chose en son temps. Après, je ne vais pas faire de mystère de tout le bien que je pense d'Édouard Philippe. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que sa stratégie, ce sera de rompre avec cette majorité pour pouvoir se mettre en opposition et préparer... Vous allez vite en besogne. Vous allez vite en besogne. Bon, on n'a pas senti toujours une super entente, une très bonne entente entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, surtout à l'approche des présidentielles. Surtout au moment où Édouard Philippe pensait être indispensable. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce quinquennat soit utile. Il s'avère que le président, c'est Emmanuel Macron, et que la Première ministre, Elisabeth Borne, doit bénéficier d'un soutien pour que ce que nous avons proposé pendant les campagnes électorales soit mis sur la table et voté. Alors, on va aborder la problématique insulaire, la question corse. La semaine dernière, s'est tenue une première réunion thématique à Beauvau, notamment sur l'économie et le social. Vous n'avez pas pu y assister, mais vous avez rencontré en amont Gérald Darmanin. Pour lui dire quoi ? Pour lui dire ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a le volet institutionnel qui est important et qu'il faut effectivement aller voir ailleurs ce qui peut marcher en l'adaptant au système français et plus particulièrement à la Corse. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui met des tabous et lève des barrières sur ce sujet-là. Ensuite, on a parlé de l'économie, du social, du développement économique de l'île, de son avenir. Un avenir qui doit peut-être, selon moi, je le dis, sans tourner le dos, aller permettre une évolution de notre économie qui ne serait pas que tournée vers le tout tourisme ou le tout BTP. Ça fait partie des propositions que je formule, j'en formulerai d'autres. Vous répétez à longueur d'interview qu'il faut s'occuper des problèmes concrets des Corses, ne pas s'arc-bouter sur les questions purement institutionnelles. C'est ce que fait la majorité nationaliste, selon vous ? C'est la majorité nationaliste est dans son rôle, elle est autonomiste et elle a proposé des choses. Je dis que je n'étais pas anti-autonomiste, mais que je considérais aujourd'hui que les questions qu'on me pose sont parfois d'un autre ordre. Par exemple, le carburant. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de subir l'inflation qu'on avait déjà subie avant qu'elle ne soit connue du monde entier sur ce secteur ? Ou est-ce qu'on essaye, notamment dans le projet de loi de finances, d'aller sur des dispositifs qui fonctionneront ? Moi, je suis plutôt enclin à régler les problèmes du quotidien. Ensuite, si on peut parfaire... Comment vous voulez régler ces problèmes ? Quelles sont vos solutions concrètes ? Il peut y avoir un décret qui est passé par le gouvernement. En tout cas, moi, je suis prêt à aller avec mes collègues qui ne sont pas du même avis que moi sur tout, comme je l'ai fait pendant l'été dernier, déposer des amendements communs, les défendre et convaincre le gouvernement surtout du bien fondé de ce que nous disons. Quelquefois, la question se pose de la valeur des engagements de l'État en la matière. Puisqu'on parle du concret, le concret c'est aussi l'énergie. On en parle beaucoup en ce moment parce que c'est plus cher, mais encore ça on en parle depuis des années parce que ça pollue plus qu'ailleurs. Il était question d'avoir du gaz, on n'en aura peut-être pas à Ajaccio, ce sera du biocarburant. Que vaut la parole de l'État quand on parle de ces sujets concrets justement ? Alors écoutez, nous allons recevoir bientôt le ministre de l'Environnement, Christophe Béchu, probablement au début du mois d'octobre. Qui, je le pense, va parler de ce sujet. Et je puis vous assurer, eu égard au rapport que j'entretiens avec lui, mais également au fait que ce sujet me touche particulièrement, qu'on travaillera le sujet. Alors, à la sortie de la réunion, Gérald Darmanin a dit que pour le moment, il n'avait pas été convaincu par les élus de la nécessité d'une autonomie ou même d'un transfert de compétences supplémentaires. Vous allez essayer de le convaincre sur le sujet ? Moi, je veux que ça marche. Je veux qu'on soit en capacité de faire en sorte que l'outil qui est notre région, notre territoire, fonctionne. Si ça passe par plus de pouvoir, plus de compétences, plus de moyens surtout, je pense que c'est davantage le problème des moyens qui doit se poser que celui des compétences, je ferai partie de ceux qui plaideront pour. Et tout ce que j'ai dit au ministre, c'est qu'il fallait aussi s'assurer d'une représentativité plus large des territoires, et des forces politiques, parce que le mode de scrutin actuel ne le permettait pas. C'est-à-dire mettre des seuils différents, territorialiser l'élection un petit peu plus ? Je n'ai pas changé d'avis, j'ai fait une campagne en 2021 où j'ai expliqué qu'il fallait changer le mode de scrutin en allant dans ce sens, et je suis encore plus convaincu aujourd'hui qu'il faut le faire. Alors, il a dit, c'est une question, Gérald Darmanin a dit à l'issue que si des compétences étaient transférées, elles seraient exclusives.
sous-entendu, il y a une forme d'ambiguïté aujourd'hui. On ne sait pas qui exactement exerce le pouvoir. Qu'est-ce à dire ? Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'il y ait davantage de responsabilité dans la conduite des affaires publiques. C'est un message ? C'est ce que demandent de toute manière les élus de la majorité. Et je vous dis, moi, pour ma part, qui ne suis pas membre de cette majorité, j'ai présidé le premier groupe d'opposition de 2021-2022. Je ne suis pas contre le fait que notre territoire bénéficie de plus de responsabilités. Et au risque de surprendre, vous avez bien vu que sur le reste du territoire national, en Bretagne, dans les Bouches-du-Rhône, Renaud Muselier a parlé de cela. Christian Estrosi, aujourd'hui, dans le Figaro, dit également qu'un nouvel acte de décentralisation doit avoir lieu. Mais voilà, vous voyez bien que ce n'est pas qu'un sujet corse. Il prend une spécificité chez nous parce que nous sommes un peu en avant-garde en France métropolitaine sur la question. Mais c'est un sujet aujourd'hui qui peut être débattu au niveau national et inscrire la Corse dans ce processus, clairement. Il y a une obligation quand même de réussir. Hier, on a vu à Bastia, après un été plutôt calme, la reprise d'une mobilisation donc moins importante, bien entendu, et aussi moins violente, mais il y a eu quand même des incidents. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation à réussir vraiment ces discussions avec Paris et pour éviter qu'il y ait un nouvel embrasement de la rue et de la jeunesse ? Moi, je suis très attaché à ce que nous ne revivons pas ce que nous avons vécu au mois de mars. C'est très important. Et je ne cesse de mettre en garde le gouvernement sur le fait que ça peut repartir. Et je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas pour notre jeunesse, je ne souhaite pas pour la Corse. Il ne faut pas une société violente, il faut une société apaisée. Il y a des signes d'apaisement. Alors, ça ne viendra pas du gouvernement, il y a des séparations des pouvoirs dans ce pays. Mais je le dis très clairement. Je veux parler de la situation des deux derniers détenus du dossier Erignac. Je pense qu'il faut tourner la page. Je l'ai déjà dit dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Je l'ai dit à mes interlocuteurs que j'ai pu rencontrer, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Justement, Éric Dupond-Moretti qui est en Corse aujourd'hui, vous lui avez dit, vous lui avez parlé ? Je lui en ai parlé, je considère qu'on tournera la page, on empruntera un chemin de paix lorsque messieurs Alessandri et Ferrandi seront remis en liberté. Pour autant, ça reste un sujet très politique puisque le ministre lui-même a été dessaisi de cette question. C'est assez compliqué finalement. C'est souvent les décisions de justice, c'est un peu à la merci d'un juge. On a parlé quelquefois de la notion d'état profond. C'est quelquefois un propos qui est repris par l'extrême droite aux États-Unis, la notion d'état profond. Mais ici en Corse, on en parle régulièrement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce qu'il n'y a pas une volonté quelque part de dire ces gens, il ne faut pas qu'ils sortent de prison 23 ans, effectivement. Moi, j'ai lu les attendus d'un jugement de cour d'appel qui est venu contredire un jugement de première instance qui ne me convenait pas. J'ai le droit de commenter, même si je suis membre du pouvoir législatif, je commente une décision de justice, je me permets de le faire. Les arguments qui ont été utilisés pour justifier le maintien en détention ne me paraissaient pas frapper du coin du bon sens, puisqu'on disait, regardez les violences qui se déroulent en Corse au mois de mars, on ne peut pas les laisser sortir, on ne peut pas les laisser sortir dans ces conditions-là. Mais qu'est-ce qui provoque la violence parfois ? C'est quand les voies de droit ne suffisent plus, et c'est quand le sentiment d'injustice s'installe. Et ce sentiment d'injustice concernant ces deux hommes, malheureusement, il est installé depuis trop longtemps. L'autre attente, l'autre demande, notamment de la jeunesse, c'est la vérité sur l'affaire Yvan Colonne. Vous seriez prêt à participer à une commission d'enquête parlementaire avec Jean-Félix Sacquoyi, les députés nationalistes ? Je participerai, j'ai été aussi, je pense, très clair sur la question. Toute la vérité doit être faite. Il y a des fautes qui ont été commises, il y a des responsabilités qui peuvent être soulevées. Et ce drame, parce que c'est un drame, la vie d'un homme, c'est toujours un drame quand elle est perdue, eh bien, il doit avoir aussi une traduction au niveau des sanctions. Alors justement, la vie d'un homme, vous disiez, c'est toujours un malheur. Un homme a été assassiné hier en Haute-Corse. Il y a régulièrement des assassinats en Corse, un petit peu moins ces derniers temps, mais en tout cas, il y a une attente très forte avec des collectifs anti-mafia qui ont maintenant un peu plus de 2 ans, qui demandent des moyens supplémentaires, qui demandent une législation autre. Est-ce que demain, vous seriez prêt, en tant que parlementaire, à proposer le délit d'association mafieuse ou faire un autre système pour les repentis qui soient davantage protégés ? Je ne suis pas opposé. Vous savez, lors de notre première rencontre durant l'été avec le ministre de l'Intérieur, je crois que j'ai été le seul élu dans ses propos introductifs qui a évoqué également la problématique de l'économie souterraine, qui pose un vrai problème politique, pour le coup, qui n'est pas institutionnel, mais qui est un problème de société. Et les collectifs qui se créent le rappellent de manière suffisamment... Vous y avez été confronté en tant que maire d'Ajaccio, par exemple ? Non, jamais. Alors vous dites que vous n'y êtes pas opposé, mais est-ce que vous y êtes favorable ? Parce que vous n'êtes opposé à rien depuis... Moi, j'attends d'avoir les choses sur la table. Vous savez, là, vous êtes dans des supputations et dans des spéculations. Moi, demain, une qualité de loi, je vais la voir en face de moi et je vais la déterminer en fonction de mes convictions. Le statut de repenti en France, on a bien vu qu'il n'est pas élaboré pour pouvoir permettre le démantèlement d'un certain nombre de choses.
Donc c'est là-dessus qu'il faut éventuellement chercher, sur le code de procédure pénale, peut-être des améliorations, sur l'équipement des services d'enquête, il y a aussi des améliorations à apporter, et sur, je dirais, le quantum des peines et la déclinaison des peines dans le code pénal, il y a aussi peut-être des choses à faire. Mais moi j'attends de voir ce que le gouvernement proposera, et puis s'il faut demain être force de proposition, tout parlementaire peut le faire, je ferai travailler sur ces questions, oui. Alors l'autre dossier pour Éric Dupond-Moretti lors de sa venue, d'ailleurs c'est la raison principale de sa venue en Corse, c'est l'installation demain d'Hélène Davot en tant que première présidente de la cour d'appel de Bastia, ancienne conseillère d'Emmanuel Macron. Cette nomination fait grincer des dents dans les rangs des magistrats et des avocats. Alors là, c'est plutôt à l'avocat que je m'adresse. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nomination ? Beaucoup disent qu'on est loin de la séparation des pouvoirs. Cette nomination, je n'ai pas à commenter. Donc je n'ai pas à commenter, je n'ai pas la responsabilité de la nomination des présidents en tant qu'avocat, comment, de cour d'appel. Je ne suis plus avocat, je suis parlementaire, je reste un avocat au fond de mon cœur. Mais je n'ai pas à faire de commentaires sur la nomination de la présidente de la Cour d'appel. Parlons politique locale peut-être, enfin du moins à l'Assemblée de Corse, vous n'y êtes plus, vous avez démissionné pour cause de cumul des mandats. Il y a aujourd'hui une coprésidence avec Jean-Martin Mandelogne et Valérie Bodzi. Vous donc laissez le leadership à un moment où finalement, à l'heure des choix en quelque sorte, puisqu'il y a ces discussions avec Darmanin que l'on a évoquées, est-ce que ce n'est pas potentiellement facteur de division entre, on va dire, la ligne réformiste qui existe à droite et la ligne conservatrice qui existe aussi ? D'abord, je pense pouvoir être très utile là où je suis. Président d'un groupe parlementaire dans la majorité présidentielle, encore élu local ici, à Ajaccio et à la CAPA, je crois pouvoir être très utile. Et ensuite, j'ai totalement confiance en cette coprésidence. Je l'ai souhaité. Je reconnais à Valérie Bodzi et à Jean-Martin Mandelogne des qualités pour pouvoir mener les négociations en tant qu'élus régionaux et je les appuierai en tant qu'élu national sur cette question. Au-delà des hommes et des femmes, il y a des lignes divergentes. On peut imaginer qu'entre Jean-Jacques Panunzi, qui n'est certes pas conseiller territorial, mais puisqu'on parle de la droite en général, et Cathy Cognetti-Tourquine, qui est conseillère territoriale, il y a peut-être des divergences d'appréciation sur le processus à mener. Est-ce que ces divergences-là ne vont pas amener un jour à des positionnements différents au sein du groupe que vous présidez? Je n'ai pas la fin du film, si vous pouvez permettre l'expression. On est au début. Il y a un processus qui peut durer encore 2 ans selon les propos que le ministre de l'Intérieur a tenus. On devrait arriver en bout de chaîne en 2024. Et nous verrons en 2024 où en seront les uns et les autres. Après, le fait qu'il y ait des divergences dans les familles politiques sur les problématiques institutionnelles de la Corse, c'est un peu la tradition, si je puis me permettre. On en a vu d'autres, notamment au processus de Matignon ou encore en 1992 avec le statut Jox. Mais comment vit le groupe depuis que... Le groupe vit bien. Non, mais depuis que vous êtes parti, on entend que certains élus seraient tentés de quitter le groupe, voire de rejoindre plus ou moins la majorité. Moi, je vous donne mon point de vue à titre personnel. Rien ne serait pire que de se dédire par rapport à ce que nous avons proposé aux Corses en 2021. Et la désunion, elle est la mère de tous les maux politiques. Donc ce groupe, moi, si je devais me permettre de donner un conseil, c'est de ne pas se désunir, c'est de se rassembler, d'être fidèle à la parole que nous avons donnée aux Corses et d'être, je dirais, conscient que la Corse, elle a de grands rendez-vous devant elle et que c'est pas en se divisant et en se contredisant qu'on va faire avancer les choses. Justement, vous étiez parti à la conquête de l'Assemblée de Corse, vous l'avez dit, vous avez finalement échoué et terminé dans l'opposition. C'est un rôle qui ne vous correspondait pas, vous qui aspiriez à gouverner, et ça faisait très longtemps que vous n'aviez plus été dans un groupe d'opposition. Non, c'est pas ça, je vous ai dit, moi je suis... On avait l'impression des fois que vous vous ennuyiez un peu sur les bancs de l'Assemblée. Il y a plus passionnant. Il y a plus passionnant qu'être élu dans l'opposition à l'Assemblée de Corse. En ce qui concerne ma vie politique, j'ai préféré d'autres mandats. Effectivement, j'aime bien être aux manettes. J'aime bien influer sur les choses. Dans le fonctionnement de l'Assemblée également, je trouve que une séance avec des questions très longues, questions à l'exécutif, l'émotion, peu de délibération. C'est le cas un peu depuis 2021, depuis la reprise après les élections. C'est vrai que des fois, je vous le dis, j'ai trouvé le temps long parce que j'aime agir et parce que je trouve que dans cet hémicycle, on parle beaucoup, mais on n'agit pas assez. Il y a quand même une capacité d'amendement quand vous êtes dans l'opposition. Nous l'avons fait, ça nous est arrivé de le faire, mais la majorité est absolue. Pour ça aussi, peut-être que le mode de scrutin en Corse, peut-être plus qu'ailleurs, il doit être modifié pour que personne n'ait de majorité absolue. Un jour, est-ce que vous pourriez être un nouveau candidat ? Il ne faut jamais dire jamais dans la vie politique, mais aujourd'hui, voilà, je viens d'être élu à un mandat
important, national. Je suis très attaché à ma ville, j'ai voulu rester élu municipal, et je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire à Ajaccio, et j'ai envie d'aider le nouveau maire. Justement, une question sur Ajaccio, beaucoup ont été un petit peu surpris, non pas de la nomination, de l'élection de Stéphane Sbrage, qui était votre premier adjoint, mais d'Alexandre Farine en tant que premier adjoint. Il n'était pas adjoint à l'époque. Qu'est-ce qui a prévalu? D'aucuns disent que c'est des liens de parenté ou une proximité avec Antoine Maestral, qui est votre directeur de cabinet. Et qui il, est, était le premier, il était le premier surpris, Antoine Maestral. C'est un choix qui appartient au maire, et le maire a choisi seul. Il a écouté les uns et les autres, dont moi. Et moi, je trouve que c'est un beau symbole d'avoir un premier adjoint de 34 ans, impliqué comme Alexandre, qui a l'avenir devant lui. Puis après tout, il est juste un peu plus âgé que moi au moment où je suis devenu maire d'Ajaccio. Donc vous voyez, on est dans une continuité. Et on ne doute pas que vous gardez quand même un œil sur les affaires d'Ajaccio, puisque c'est la ville qui a fait votre carrière politique. Merci Laurent Marcange d'avoir accepté notre invitation. Eco Intentum Politica Butara Azimana Kimene.